À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Gendron Châteauguay est remplacée par Madame Bongman-Siberville. Madame Garceau-Robert-Baldwin est remplacée par Monsieur Deragy-Nelligan. Madame Price-Darcy-McGee est remplacée par Madame Lacoyanne-Olivier Chomedé. Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques est remplacée par Monsieur Clichy-Rivard-Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs les élus, bienvenue. Nous entendrons donc ce matin les groupes suivants, l'Association des industriels de l'automobile du Canada et Québec réunifié. Je souhaite donc la bienvenue à notre premier intervenant, Monsieur Jean-François Champagne, président directeur de l'Association des industriels de l'automobile du Canada. Bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Alors, Monsieur Champagne, vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé et nous allons par la suite procéder à la période d'échange avec les parlementaires. Alors, votre 10 minutes commence maintenant. Parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, encore une fois, permettez-moi de me présenter. Jean-François Champagne, président directeur général de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Nous sommes également connus sous la version abrégée comme étant AIA Canada. En fait, l'association a pour principale mission de porter la voix des acteurs de l'industrie du marché secondaire de l'automobile partout au pays. Cette industrie essentiellement englobe tous les biens et services offerts après la vente initiale d'un véhicule au consommateur. Donc, on parle notamment de l'entretien préventif, de la réparation du véhicule et de la conception et de la vente de pièces de rechange. C'est une industrie d'une importance considérable au Canada. Elle génère à elle seule près de 37,8 milliards de dollars chaque année. Avec plus de 4 000 membres à travers le pays, dont une importante proportion au Québec, l'AIA Canada est la voix officielle des détaillants et fournisseurs de pièces de rechange automobiles, des carrossiers et des ateliers et des garages indépendants partout au Canada. Au Québec, l'industrie secondaire de l'automobile est particulièrement dynamique. On estime qu'elle contribue 7 milliards de dollars au PIB de la province à chaque année. Elle compte 5 895 ateliers de réparation et d'entretien automobile et 1 524 entreprises dans la chaîne d'approvisionnement qui sont enracinées aux quatre coins de la province. Et donc, en tout et pour tout, l'industrie secondaire de l'automobile au Québec, c'est actuellement plus de 100 000 emplois, que ce soit des techniciens, des approvisionneurs, des commis aux pièces, des carrossiers et autres. Donc, l'AIA Canada est bien heureuse de pouvoir intervenir aujourd'hui dans le cadre de la consultation générale sur le document de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période de 2024 à 2027 ». Nous tenons particulièrement à remercier les parlementaires pour cette opportunité et espérons que nos commentaires et recommandations contribueront à alimenter leurs réflexions. Historiquement, le marché secondaire de l'automobile a toujours représenté une porte d'entrée de choix pour les nouveaux arrivants québécois, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les métiers de l'automobile sont accessibles, bien rémunérés, sont stables et offrent des très bonnes perspectives. Ensuite, parce que les savoirs permettant à un individu d'œuvrer dans notre secteur sont pour la plupart universels, c'est-à-dire qu'ils se transportent très bien d'un endroit à l'autre du monde. La mécanique des véhicules, c'est essentiellement de la même nature à travers le monde. Les voitures sont souvent les mêmes ou se ressemblent beaucoup. Donc, la mise à niveau requise lors de l'arrivée au Québec pour quelqu'un ayant déjà travaillé dans le secteur de l'automobile dans un autre pays est accessible, ce qui permet une intégration rapide au marché du travail et une contribution rapide à la société d'accueil. Et même quand un candidat à l'immigration ne dispose pas des prérequis dès son arrivée au Québec, celui-ci peut, s'il le désire, se qualifier adéquatement en complétant une formation spécialisée. Finalement, notre secteur représente un environnement de travail idéal pour les nouveaux arrivants en processus de francisation. Grâce à leurs interactions avec leurs collègues et superviseurs, qui leur serviront souvent de mentors et d'enseignants informels, ceux-ci peuvent se familiariser progressivement avec l'usage de la langue française en mettant en pratique les notions vues en classe.
Compte tenu que plusieurs emplois au sein de notre industrie ne nécessitent pas d'interaction directe avec le client, le tout se fait sans impact sur la qualité des services offerts, laissant le temps à un nouvel arrivant de s'implanter dans son nouveau milieu de travail. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, au cours des dernières décennies, de nombreux nouveaux arrivants ont joint les rangs de notre industrie. Ses responsabilités d'accompagnement et de soutien dans l'accueil, l'intégration et la francisation des nouveaux Québécois, nos membres s'en acquittent depuis toujours avec grande fierté. À l'heure où le Québec consulte sur les orientations futures en matière d'immigration, nos membres tiennent à exprimer leur volonté de poursuivre dans cette voie. Pour eux, ce n'est pas seulement une option, c'est une nécessité, notamment pour faire face aux transformations majeures qui attendent notre industrie au cours des prochaines années. La principale est évidemment l'arrivée massive des véhicules électriques sur nos routes. Au Québec, d'ici 2035, c'est 100 % des véhicules neufs vendus qui devront être électriques. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, au Québec, il s'est vendu 370 000 nouveaux véhicules au Québec. Donc, c'est énorme. Si on veut que ce virage souhaité par tous soit une réussite, il est essentiel que nos membres aient dans leur coffre tous les outils nécessaires. Alors, quels sont ces outils? Bon, essentiellement, l'accès aux données, l'accès à la formation de nos travailleurs actuels et finalement, un accès accru à de nouveaux travailleurs. En ce qui concerne l'accès aux données de conduite, bien, le gouvernement a déposé, et nous tenons à le saluer encore une fois, un projet de loi qui forcera les fabricants à partager ces données cruciales pour l'entretien et la réparation de nos voitures intelligentes. J'ai d'ailleurs eu le plaisir récemment de présenter aux élus les recommandations de l'AIA Canada à ce chapitre. Concernant la mise à niveau des compétences de nos travailleurs, et même s'il reste du travail à faire, les investissements récents dans le programme Compétences VE ont définitivement été très appréciés par nos membres. Pour le virage électrique, notre industrie aura finalement besoin d'un dernier élément, soit un nombre important de nouveaux travailleurs qualifiés au cours des prochaines années. En effet, les professions de la mécanique automobile n'échappent pas à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le Québec. Encore aujourd'hui, notre secteur éprouve des séquelles de la pandémie de COVID-19. Lors des deux premières vagues, nous avons perdu plusieurs travailleurs qualifiés qui se sont réorientés vers d'autres corps d'emploi. À cela s'ajoute évidemment le vieillissement naturel de notre main-d'œuvre actuelle. Plusieurs de nos travailleurs sont à quelques années seulement d'accrocher leurs outils. D'ailleurs, pas moins de 35 % d'entre eux pourraient prendre leur retraite au cours des 5 à 7 prochaines années, ce qui illustre le besoin criant de main-d'œuvre dans notre industrie. À l'heure actuelle, il est de plus en plus difficile d'attirer et de retenir des travailleurs qualifiés. Il s'agit d'ailleurs d'un problème majeur pour la grande majorité de nos membres. C'est particulièrement vrai pour les ateliers qui sont situés en région où le bassin de travailleurs qualifiés est encore plus précaire. Et paradoxalement, ce sont justement dans ces régions, dans ces plus petites communautés où les concessionnaires automobiles ne sont pas présents, que nos services sont encore plus essentiels. Il n'y a pas juste nos travailleurs qui approchent de l'âge de la retraite, c'est aussi le cas de plusieurs propriétaires de garages et d'ateliers indépendants. Pour eux, trouver une relève est un casse-tête, à tel point que certains sont carrément obligés de reporter ad vitam leur départ, faute de pouvoir y parvenir. Notre industrie n'a pas seulement besoin de davantage de travailleurs, elle a également besoin de davantage de repreneurs. Au cours des dernières années, nous avons pu observer que des garages et des ateliers indépendants ont été en mesure de poursuivre leur activité grâce à des repreneurs issus de l'immigration. Bien souvent, ces repreneurs ou leurs parents ont été accueillis à leur arrivée au Québec au sein de notre secteur et y ont travaillé plusieurs années. Pour elles et eux, le reprenariat devient avant tout un moyen de poursuivre cette histoire d'amour qui les lie à leur communauté d'accueil. Pour toutes ces raisons, donc, l'AIA Canada est favorable à une augmentation des seuils d'immigration au Québec. Des deux scénarios présentés dans l'étude, nous avons ainsi une nette préférence pour celui qui prévoit une augmentation des seuils à 60 000 d'ici 3 ans. Et compte tenu des besoins criants de notre industrie, nous appelons même le gouvernement du Québec, si possible, à revoir son échéancier afin d'atteindre cet objectif encore plus rapidement. En terminant, et quelles que soient les orientations retenues, nous tenons à assurer le gouvernement qu'il pourra compter sur notre pleine et entière collaboration
pour assurer d'un accueil, d'une intégration et d'une francisation réussie de nos nouveaux arrivants au Québec. Sommes maintenant prêtes, Madame la Présidente, à répondre aux questions des parlementaires. Merci. Merci beaucoup, M. Champagne, pour votre exposé. On va donc, comme vous le disiez, commencer la période d'échange avec les parlementaires. Alors, du côté du gouvernement, je me tourne vers la ministre pour une période de 16 minutes 30 secondes qui commence maintenant. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, M. Champagne, de prendre part à cet échange, à cet exercice démocratique sur un thème d'importance transversale. On le voit bien, votre industrie est touchée également là, par l'enjeu, en fait, de la rareté des talents. Et c'est intéressant de voir, en fait, comment votre secteur s'adapte. Alors, ben, justement, j'aimerais ça que vous nous en parliez avec un peu plus de détails. Là. Vous mentionnez dans votre mémoire, à la page 4 notamment, que bon, vos membres ont déployé là, beaucoup d'efforts pour attirer davantage de travailleurs de l'étranger. Et vous dites même que certaines se sont tournées là, vers des agences spécialisées dans le but de recruter des mécaniciens, par exemple, à l'étranger. J'aimerais ça que vous me parliez à la fois des démarches là, qui sont entreprises par vos membres. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils le réfèrent d'ailleurs au soutien du ministère? Parce que nous, on peut les accompagner dans ces démarches de recrutement à l'international. Est-ce que, par exemple, ils participent à Journée Québec? Et puis, quel type de conditions salariales sont associées aux principales professions pour lesquelles il y a du recrutement à l'étranger? J'aimerais ça que vous nous dressiez un portrait de tout ça. Certainement. Écoutez, j'ai pas les particularités là, des engagements de ces divers membres envers les différents services du gouvernement. Je peux vous dire que c'est certain qu'ils font des grands efforts pour attirer de la main-d'œuvre étrangère. Effectivement, ils font l'utilisation de certaines tierces pour les aider dans cet accompagnement-là. Pour la plupart, ce sont des petites moyennes entreprises, donc ils n'ont peut-être pas les capacités internes de le faire. Vous avez parlé, on a parlé de mécaniciens, de techniciens d'atelier. Beaucoup dans le domaine également de la carrosserie, dont des peintres, des débosseleurs et ainsi de suite. Donc, il y a une très grande pénurie. C'est très difficile de recruter ce genre de type d'employés spécialisés. Au niveau des compensations, ce sont des bons emplois bien rémunérés. Et parfois, il faut faire attention, dans bien des secteurs, les salaires payés sont déterminés par les comités paritaires dans les différentes régions. Mais il faut comprendre que les comités paritaires ont des seuils minimums et donc souvent la compensation en fait qu'on offre est supérieure à ce qui est en fait là, les taux minimums qu'on retrouve là, par les comités paritaires de l'automobile. Donc, des bons emplois bien rémunérés et évidemment une activité là, accrue de nos membres pour faire ce recrutement-là à l'extérieur du pays. Et du côté des formations d'appoint à aller chercher, est-ce que vous avez des échos assez positifs? Parce qu'il y a des secteurs pour lesquels là, c'est plus long ou c'est pas nécessairement facilement accessible. De votre côté, est-ce que vous avez un écho? Il y a encore du travail à faire. Notre secteur économique a des doubles enjeux parce que non seulement on a des grands changements technologiques, nos voitures d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'elles étaient il y a 5 ans, puis ça continue avec l'électrification. Le gouvernement investit beaucoup dans la transformation électrique, dont les formations VE, compétences VE, fantastiques. D'ailleurs, le gouvernement du Québec est en avance sur beaucoup de juridictions à travers l'Amérique du Nord à ce sujet-là. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de la capacité, la disponibilité, ça reste quand même des enjeux. Mais je vous dirais que, de notre point de vue, on voit les efforts au Québec de façon positive. Il faut continuer à les faire plus dans le futur, mais je pense qu'on est sur le bon chemin ici. Par rapport au reprenariat, vous l'avez mentionné, là, donc près de 70 % des entreprises familiales de votre industrie ne vont pas survivre au-delà de la première génération. Donc, je voulais m'assurer que vous ayez vu là, le projet de création d'un volet pour le reprenariat dans le cadre de notre réforme de l'immigration économique. Donc, on veut s'assurer que la filière de l'immigration puisse offrir une solution potentielle au phénomène de reprenariat. Là, j'entends que c'est quelque chose qui est déjà établi dans votre secteur, de regarder à l'international de ce côté-là. Puis, est-ce que vous avez eu des échos aussi de la pertinence du nouveau volet qu'on a mis de l'avant dans le cadre de notre réforme de l'immigration économique? Au niveau du reprenariat, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on a observé de façon organique dans l'industrie. Donc, très souvent, les gens qui vont venir travailler dans nos entreprises vont souvent avoir l'opportunité dans le futur de reprendre l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'on a vu s'évoluer avec les arrivées de certains immigrants qui ont eu l'opportunité de faire ce reprenariat-là
de ces entreprises-là. Et encore, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait de façon systémique, mais qu'on observe. Et je pense qu'il y a un élément qu'on ne parle pas assez, parce que ce n'est pas juste des travailleurs qu'on amène ici pour venir nous aider, ce sont également des gens qui vont être capables d'être les prochains leaders de nos petites et moyennes entreprises là, partout au Québec. Et donc, on applaudit finalement les efforts du gouvernement dans ce sens-là, et que oui, ce n'est pas juste d'amener des travailleurs, mais également d'amener des gens qui vont être nos entrepreneurs de demain également. Ce sont des points très positifs de notre point de vue. Est-ce que les mesures de francisation sont par ailleurs assez monnaie courante chez vous? Parce que nous, on va mettre de l'avant beaucoup de mesures à travers Francisation Québec, notamment des mesures en lien avec la francisation en milieu de travail. Est-ce que votre secteur se prête bien à cette idée d'avoir de la francisation en lieu de travail? Est-ce que vous êtes déjà passablement engagé, là, vous et vos membres, pour la francisation? Bien, c'est sûr, au niveau de la francisation, comme on l'a dit dans mon exposé, on offre des environnements de travail, je pense, qui sont très propices pour aider à l'intégration, à la francisation des nouveaux arrivants, puisque, encore une fois, dans bien des cas, les rôles ne requièrent pas un accès, une présence directe devant les clients ou la population. Donc, ils sont capables de travailler en collaboration avec des collègues de travail, des superviseurs. Et je pense que ce sont des éléments qui permettent une bonne intégration, une bonne francisation et permettre là, une transition qui est bonne pour les nouveaux arrivants. Et toutes les initiatives que le gouvernement peut mettre de l'avant pour aider nos petites et moyennes entreprises à activer et accélérer cette francisation-là, évidemment, sont tout à fait bienvenues. Okay. Mais merci. Je vais céder la parole à des collègues, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, la députée de Vimont désire prendre la parole. Il vous reste 10 minutes 12 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Champagne. Merci de votre présence avec nous. Bon, écoutez, je vais reparler avec vous un peu de la question de l'électrification des transports. Tantôt, vous avez mentionné, en termes d'outils nécessaires, l'accès aux données. Pourriez-vous un petit peu juste élaborer davantage là-dessus? Comment ça pourrait finalement vous aider? Absolument. Écoutez, on applaudit encore une fois la vision du gouvernement du Québec sur l'introduction de la loi 29 sur l'obsolescence programmée et la réparabilité des biens. Et bien que beaucoup de gens pensent à leur téléphone cellulaire, leur télévision, leur électroménager, mais leur voiture également est un élément important pour être capable de continuer à réparer les véhicules d'aujourd'hui et de demain, on doit de plus en plus avoir accès aux données. Hein, on a encore passé une fois d'une voiture qui, quelques générations, c'était de la mécanique beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des ordinateurs sur roues. Alors que ce soit un changement d'huile, un changement de pneus, un entretien régulier, de plus en plus, il est nécessaire d'accéder aux ordinateurs de bord. Et donc, on vit dans un monde où on doit garantir que les fabricants continuent de rendre l'information nécessaire pour faire le diagnostic, la réparation de ces biens-là. Et nous, évidemment, dans le marché secondaire, c'est critique. Qu'on ait accès à ces informations-là. Et encore une fois, le projet de loi 29 va dans le bon sens en disant, bien, écoutez, le manufacturier automobile et se doit, et évidemment avec le contrôle de l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, de rendre disponible toute l'information nécessaire au propriétaire, locataire à long terme ou à son mandataire, donc dans ce cas-ci, les ateliers de réparation que nous avons partout à travers le Québec. Et donc, c'est un élément très important pour pouvoir réparer nos véhicules électriques de demain qui sont tous des ordinateurs sur roues. On continue à avoir accès à l'information nécessaire pour en faire le bon entretien et la réparation. C'est intéressant ce que vous mentionnez, justement, parce que là, on parle beaucoup de... Est-ce qu'on peut parler d'automatisation dans le secteur automobile? Parce que oui, l'immigration est un élément intéressant pour votre secteur, mais si on parle en termes d'automatisation, de robotisation du milieu automobile, est-ce que ça peut être envisagé? Donc, il s'agit d'un aspect qui est beaucoup plus applicable à ceux qui fabriquent les véhicules. Donc, on ne représente pas les fabricants de véhicules automobiles. Je ne vais pas parler en leur nom, évidemment. Eux, évidemment, beaucoup, beaucoup au niveau de la robotisation, l'automatisation, il y a beaucoup de mouvements à ce moment-là. Au niveau de l'entretien, réparation des véhicules ou des services de carrosserie, c'est assez particulier. Vous avez un accident, votre accident est très différent de celui à côté. Donc, il y a certaines techniques, évidemment, qu'on utilise pour être plus efficace. Mais de dire qu'on peut automatiser ou robotiser l'ensemble des fonctions, pas dans dans un futur proche, ça va être très difficile à faire, à cause de la spécificité, beaucoup de modèles, différents véhicules, donc c'est peut-être pas un modèle qui s'applique très, très bien à notre secteur d'activité. La présence humaine est encore indispensable. Oui, effectivement, absolument.
Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des bassins de travailleurs à l'international qui vous paraissent prêts pour justement ce virage-là? Est-ce que vous avez, j'imagine, déjà peut-être regardé? Vous parlez en termes de géographie? À l'international, oui. Oui. Je n'ai pas d'informations pertinentes spécifiquement sur ce sujet-là, sinon de dire qu'évidemment, où est-ce qu'on peut recruter des gens qui ont déjà une spécialisation, évidemment, qui ont déjà une éducation dans notre secteur. Puis comme je l'ai dit à mon énoncé, les voitures, les concepts de réparation de voitures sont à peu près universels. Donc, c'est assez facile d'aller faire un petit peu partout le tour du monde et de trouver des gens qui ont une formation de base ou spécialisée qui s'applique très bien à notre secteur économique. Donc, je me pose la question à voix haute, là, mais je ne peux pas vous dire s'il y a des bassins particuliers qui ont été explorés à ce niveau-là. Mais on sera plaisir de faire un suivi là-dessus. Est-ce qu'il y a des pays qui sont davantage, qui ont peut-être davantage de connaissances, peut-être qu'ici? Est-ce qu'il y a des gens plus spécialisés ailleurs qu'au Québec? De façon générale, les enseignements nécessaires pour faire une réparation diagnostique d'un véhicule sont assez universels. Et donc, peu importe où on va dans le monde, vous allez retrouver des bassins de gens qui ont ces genres de qualifications-là aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller dans des pays ou des régions spécifiques pour obtenir ces qualifications-là. D'accord. Je vais parler un petit peu avec vous de la francisation. Vous l'avez évoqué tantôt dans votre mémoire. D'ailleurs, la ministre aussi vous en a échangé un petit peu là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que vous ne vous prononcez pas directement sur les orientations. Par contre, de ce que j'ai compris tantôt dans votre présentation, était que l'apprentissage du français directement sur place pouvait être envisagé. Est-ce que vous êtes tout de même intéressé par la francisation en entreprise? Est-ce que c'est un élément qu'on ajoute ou c'est l'apprentissage sur place de façon brute? Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends. Mais nous, ce qu'on observe, évidemment, c'est la formation brute sur le tas, si on veut, là, d'être exposé à un environnement de travail dans lequel un superviseur, un collègue de travail permet des échanges. Et donc, ça, naturellement, on observe que ça permet une intégration, une francisation. C'est sûr qu'on accueille d'un bon œil des programmes, soit en entreprise ou à l'extérieur, pour permettre l'adaptation, la francisation des nouveaux arrivants. Effectivement, nous, ce qu'on venait de dire dans notre présentation, c'est d'écouter, c'est un bon complément à ce qui peut être également appris en classe. Et donc, c'est certain que d'être permettre de supporter nos nouveaux arrivants avec des programmes de francisation, je pense que ça continue d'être important. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit d'un très bon œil. Quand on parle de francisation en entreprise, on parle de francisation pendant les heures de travail ou après les heures de travail? Bonne question. Chaque fois qu'on parle de formation de façon générale dans le cas de nos membres, on fait vraiment face à des problèmes, des enjeux d'emploi. Souvent, la formation, quelle qu'elle soit, ça doit se faire à l'extérieur des heures de travail, simplement parce que pendant le jour, on veut s'assurer de réparer les véhicules des Québécois et des Québécoises, qu'ils aient des véhicules sécuritaires à conduire. Et donc, de façon générale, sans avoir consulté mes membres là-dessus, tout programme de formation en général va se retrouver souvent à l'extérieur des heures de travail, simplement à cause des besoins criants qu'on a présentement là, pour assurer le service. Je vous comprends. Par contre, on a entendu plusieurs organismes qui nous faisaient part justement de cet enjeu-là. Les gens, souvent, bon, ils arrivent, il y a tout la vie aussi de l'immigration. Et puis, naturellement, des fois, les gens sont fatigués après des journées de travail. Donc, c'est plus difficile, disons, de pouvoir envisager des cours de francisation après les heures de travail. Donc, mais est-ce que pour vous, pour votre industrie, c'est faisable? Il se fait de la formation continue, que ce soit dans des cas de partage études, travail. Il y a déjà certains cadres qui existent dans lesquels ça peut coexister. Je pense qu'on pourrait explorer effectivement là, différents modèles dans ce cas-là, mais c'est certain que ce qu'on entend de nos membres souvent, c'est de dire quand vient le temps d'arrêter, si on veut, d'offrir un service à la clientèle pour faire de la formation, que ce soit sur un véhicule électrique ou la francisation, ça crée des tensions qui sont difficiles là, à réconcilier, c'est certain. Vous avez tantôt, j'ai encore un peu de temps, Madame la Présidente.
Deux minutes, d'accord. Tantôt, vous avez mentionné au tout début qu'il s'était vendu 370 000 nouveaux véhicules au Québec? Oui. Véhicules électriques? C'est pas la majorité, c'est l'ensemble des véhicules vendus au Québec. D'accord. 370 000, c'est un chiffre, c'est élevé. Il me semble que c'est énorme. Ben, il y a 26 millions de véhicules sur les routes au Canada. L'âge moyen d'un véhicule sur les routes au Québec présentement est à peu près de 10 ans. Donc, vous voyez la courbe de remplacement. Parfois, on a de la misère à saisir l'ampleur de notre industrie, mais c'est lié directement au fait qu'il y a des millions de véhicules sur nos routes au Québec. Et puis, il va falloir faire un remplacement. Et si on veut, en 2035, atteindre nos objectifs de 100 % de nouveaux véhicules neufs qui sont électriques, ça va faire un nombre élevé de nouveaux véhicules sur nos routes qu'il va falloir faire un entretien réparation, effectivement. C'est pour ça que ça prend 100 000 personnes dans notre secteur économique là, pour assurer cette sécurité pour les Québécois et les Québécoises. C'est exactement la question que je voulais vous poser, si vous aviez chiffré justement en nombre. Donc, on parle de 100 000 personnes. 100 000 personnes. 100 000 personnes, d'accord. Alors, j'imagine que j'ai terminé, Madame la Présidente. 40 secondes. Il reste 40 secondes. Alors, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup du bon travail. Merci, Madame la députée. On se tourne maintenant, M. Champagne, du côté de l'opposition officielle, qui a une période de 12 minutes 23 secondes, avec la députée de Chaumédé. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être là. Et puis, c'est alarmant ce que vous dites aujourd'hui. C'est alarmant le fait qu'on a besoin de 100 000 employés. Et vous parlez de 7 milliards de dollars annuellement. Est-ce que c'est au Québec, le 7 milliards, ou c'est-tu au Canada? 7 milliards au Québec, près de 38 milliards au Canada, dans le marché secondaire, oui. Et 100 000 personnes, il faut comprendre, c'est l'ensemble des gens qui travaillent dans notre secteur économique présentement. Je comprends. 7 milliards de dollars annuellement dans la province du Québec, c'est beaucoup d'argent. Ça fait vivre des familles, ça fait vivre toute notre économie. Les restaurants, les lieux touristiques, on peut nommer. Donc, 7 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et puis, si on a besoin de 100 000 personnes maintenant, dans 5 ans, on aura besoin de combien? Je suis en train de faire le mathématique, le X, là. C'est alarmant et on n'a pas de temps à perdre, si je comprends bien. Écoutez, c'est dur toujours de mettre un chiffre sur les besoins de main-d'œuvre. On sait qu'on n'a pas de cas de ramener les mêmes taux d'emploi qu'on avait dans notre secteur avant la pandémie. On sait qu'avec le tournant au niveau de l'électrification, on va avoir d'autres besoins. Et évidemment, on a des employés présentement dans le secteur, évidemment, qui sont près de la retraite. Donc, il va falloir également assurer qu'on est capable de remplacer ces travailleurs qualifiés-là au cours, principalement, là, les 5 à 7 prochaines années vont être critiques, c'est certain, pour notre secteur. Je comprends ça. J'ai de la famille dans les garages carrosserie, mécanique, body shop, rembourreur, vitrier. J'en ai, c'est dans ma famille immédiate. Et puis, je sais, ils travaillent 7 jours semaine. Ils ont la difficulté de garder des employés. Les gens ne sont pas intéressés. On n'a pas, on n'a pas ces employés-là ici. Je ne sais pas où ils sont. Il y en a qui vont prendre leur retraite d'ici 5 ans. Il n'y a pas de relève. Donc, je vous entends très clairement pour le reprenariat et le manque d'employés. Est-ce que la précondition de connaître le français avant d'arriver au Québec pour combler les emplois et reprendre les garages, est-ce que vous trouvez, dans votre opinion, que ça freinerait notre économie si on met prérequis la langue française? Bien, écoutez, nous, on est ici pour exprimer l'opinion sur la proposition du gouvernement. C'est certain que nous supportons beaucoup la deuxième option de dire qu'on doit augmenter les seuils d'immigration à 60 000 personnes. On comprend l'objectif du gouvernement de vouloir faire ça à travers un objectif également de francisation.
Je suis mal placé pour dire on va être capable d'attirer 60 000 personnes avec des demandes de francisation. Je pense que c'est l'intention du gouvernement. Et donc, sur ce point-là, nous, ce qu'on dit, ça nous prend des gens dans le secteur économique. Nous sommes confiants qu'avec l'option qui est offerte à travers l'accélération des seuils d'immigration à 60 000, c'est un pas en avant. Et d'ailleurs, on encourage le gouvernement, on fait la recommandation dans notre mémoire de dire est-ce qu'il n'est peut-être pas capable d'accélérer l'échéancier pour arriver aux 60 000, peut-être le faire en 2 ans au lieu de 3, par exemple. C'est quoi d'après vous, c'est quoi les enjeux d'intégration que vous pouvez remarquer dans cette industrie-là? L'intégration, est-ce que ça se fait bien? C'est sûr qu'on a des enjeux parce qu'encore une fois, on fait face à des enjeux au niveau de la technologie, au niveau des outils. J'ai parlé de l'accès à l'information est un. L'autre, évidemment, c'est la transformation de notre industrie. Donc, ça crée des enjeux au niveau de la connaissance et de la formation continue. Donc, ça, je pense que ça reste pour nous des enjeux importants dans des, souvent, en région, des petites et moyennes entreprises qui n'ont peut-être pas accès à un bassin de main-d'œuvre qualifiée autant qu'ils en auraient besoin. Puis vous l'avez dit d'ailleurs, certains entrepreneurs se retrouvent à travailler non pas 5 jours semaine, mais bien 6 ou 7. Alors, je pense que c'est ça qui vient peut-être causer un petit peu certains enjeux au niveau de l'intégration. C'est qu'il faut prendre le temps de former nos nouvelles personnes, nos nouveaux arrivants. Mais évidemment, on a des contraintes là, compétitrices en même temps là, au niveau du futur de notre industrie. Je pense que ça va être ça, les enjeux devant nous, c'est d'assurer de tout faire ça pendant qu'on continue à offrir un service de qualité aux Québécois et Québécoises pour faire l'entretien et réparation de leur véhicule. C'est 2 fois le temps de changer nos pneus, puis changement d'huile. Il faut prendre nos réservations 2 mois d'avance, même si j'ai des cousins là-dedans. Absolument. Écoutez, si on peut faire une recommandation aujourd'hui, c'est de dire à nos gens, aux Québécois, changez vos habitudes, entrez en contact avec votre atelier de choix, assurez-vous d'avoir une date cédulée. Ça l'optimise un peu le processus. On a parlé d'automatisation tantôt, mais c'est peut-être une des façons de le faire un peu pour tous les Québécois, de dire on prend rendez-vous en avance, ça l'optimise nos bits de service et ça nous permet d'offrir un meilleur service aux Québécois. J'ai remarqué à la page 3, vous mentionnez que ces employés-là, ils ne sont pas appelés à avoir l'interaction avec les clients parce qu'ils ont plutôt des commis réceptionnistes, service à la clientèle, comptabilité. Donc, ils ont des gens qui font affaire avec la clientèle. Donc, il n'y a pas une urgence tout de suite de s'inquiéter pour la francisation, mais est-ce que vous trouvez, avec cet énoncé, vous trouvez qu'avec le temps, ils vont apprendre le français, ils vont s'intégrer dans notre société? Et dans combien de temps vous pensez qu'ils seront plutôt à l'aise avec la société québécoise? Bien, écoutez, je pense que la meilleure façon de voir ça, c'est très. Dans certains secteurs économiques, on reconnaît qu'il y a une interaction directe avec le public et donc ça crée des beaucoup plus gros enjeux au niveau de la francisation, de l'intégration, alors qu'on a, nous, dans notre secteur, la balance des deux, c'est-à-dire que oui, on a certains emplois qui requièrent une interaction directement avec la population, mais en même temps, on a beaucoup, beaucoup d'emplois, que ce soit de travailler dans un atelier, d'entrer dans un entrepôt, qui permettent une intégration plus, plus smooth, donc de faire une intégration qui est plus harmonieuse pour les nouveaux arrivants. Et donc, je pense qu'on est encore une fois un secteur économique qui peut très bien bénéficier et permettre une intégration une francisation de nouveaux arrivants là, qui se fait d'une façon là, harmonieuse. Est-ce que vous trouvez que le fait qu'au Québec, l'éducation est gratuite, quasi gratuite à nos enfants, et puis les gens prônent l'éducation cégep, université, de ce fait, on a moins de gens intéressés à aller dans les garages, l'emploi de garagiste. Est-ce que vous pensez que c'est la raison que dans notre population, il n'y en a pas un engouement là-dedans? Il y a plusieurs facteurs, c'est certain. Par contre, je peux vous dire que parfois, je dis à nos membres,
autour de cette table aujourd'hui, on me dit, oh mon Dieu, 370 000 nouveaux véhicules, 100 000 personnes. Peut-être qu'on ne fait pas le meilleur effort pour valoriser les emplois qu'on a dans notre secteur économique. On a des bons emplois, ils sont bien rémunérés, ils sont un petit peu à l'abri des changements économiques. Nous sommes un service essentiel qui continue à opérer pendant la pandémie. On a plein de beaux atouts. Peut-être qu'on ne les valorise pas assez. Et je pense que c'est la responsabilité de tous de dire à nos amis, nos enfants, nos parents, dans nos familles, de dire, hey, il y a des beaux emplois dans nos industries telles que l'automobile. Je pense que c'est un message positif qu'il faut donner. On a des beaux emplois et il faut attirer plus de gens, c'est certainement. Mais dans le secteur, dans les conditions qu'on a présentement, c'est sûr qu'on va devoir combler ça avec aussi des apports au niveau de l'immigration pour le futur. Mais vous avez raison pour la valorisation. Ce n'est pas la première fois que j'entends. J'ai entendu en Mauricie, quand on a parlé de l'emploi des couturières, j'ai entendu dans l'industrie du tourisme pour les massothérapeutes. Donc, vous dites la même chose. Donc, peut-être que nous, en tant que gouvernement, on devrait travailler à valoriser ces industries-là. Les travailleurs que vous allez chercher, est-ce que ce sont des temporaires ou des permanents? Donc, c'est une combinaison des deux. C'est sûr qu'il y a des immigrants temporaires qui font partie de notre écosystème. Dans le cas de la consultation aujourd'hui, évidemment, on vient rajouter la composante. Ça nous prend également des immigrants permanents pour notre secteur économique. Donc, c'est une combinaison des deux. Combinaison des deux. Toutefois, la proportion, vous direz, qu'est-ce que vous direz pour la proportion, le pourcentage? Je ne pourrais pas m'avancer à vous donner un chiffre, j'avoue. Là, je ne le sais pas. On fera un suivi avec les membres du comité là, pour vous donner peut-être plus d'indications à ce niveau-là. Je n'ai pas ces informations-là avec moi, malheureusement. Fonctionne avec le reprenariat. Est-ce que vous trouvez des investisseurs pour le Québec, de l'extérieur, pour le reprenariat? Est-ce que vous êtes au courant? Bien, moi, ce que j'observe, c'est que dans le changement générationnel, nos entrepreneurs qui passent le bâton un petit peu à la prochaine génération le font de toutes sortes de différentes façons, que ce soit avec des partenariats, encore une fois, avec du reprenariat à l'intérieur de leur entreprise, qui parfois inclut également des nouveaux arrivants, des immigrants. C'est une combinaison d'un petit peu de tout. C'est certain qu'il y a également des consolidations qui s'offrent également. Donc, les entrepreneurs qui vont décider d'opérer deux ou trois centres de services et qui vont racheter, évidemment, certains centres. Mais je vous dirais que le reprenariat à travers l'entreprise, c'est quelque chose qui continue de s'observer. Encore une fois, parfois la génération suivante ou parfois à travers des nouveaux arrivants qui ont pris place dans l'entreprise et qui veulent la reprendre et continuer cette histoire d'amour qu'ils ont avec leur région d'accueil. C'est bien. En attendant, mon frère va travailler 7 jours au garage, vitrerie et rembourrage, mon cousin à la carrosserie, puis mon autre cousin qui est en mécanique, ils vont faire 7 jours jusqu'à ce qu'on comble avec des nouveaux employés. Est-ce que vous êtes en ce moment en contact avec des compagnies, je pense, qui amèneraient des travailleurs ici au Québec? Donc, l'association elle-même ne le fait pas. Par contre, on sait que beaucoup de nos membres, eux, le font avec divers tierces pour aider, faciliter le recrutement et l'intégration là, de ces arrivants-là pour venir combler ces postes-là, pour espérer que certains membres de votre famille vont être capables de se rendre là, pour le souper de famille, parce que s'ils travaillent 7 jours, c'est peut-être plus difficile. Là. Mais oui, effectivement, ça se fait beaucoup à travers là, certains de nos membres qui sont Merci. En partenariat avec diverses entreprises. Merci beaucoup. Le temps... Merci de les représenter. Merci, Madame la députée. Monsieur Champagne, compte tenu que vous voulez faire le lien avec les membres de la commission, si vous avez des réponses additionnelles à donner, je vous invite à communiquer avec le secrétariat de la commission pour déposer Merci. Des documents additionnels. Merci. Merci. Alors, on va terminer cette ronde d'échange avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 7 secondes. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé beaucoup de reprenariat. C'est intéressant. En juin 2023, là, il y a une réforme qui a été publiée au volet 3 du programme de reprenariat du MIFI. Je me demandais si vous aviez des commentaires. Est-ce que vos membres utilisent ça, le programme de qualification permanente de reprenariat? Est-ce que ça fonctionne? Comment ça va?
Je n'ai pas de statistiques non plus là-dessus, donc c'est quelque chose qu'on ferait un suivi également. Je sais qu'également que les comités sectoriels de l'automobile, entre autres, ont fait la promotion de ces programmes-là. Je suis difficilement capable de vous donner vraiment des chiffres concrets à savoir est-ce que ça a été bien reçu, bien utilisé et des commentaires spécifiques sur ce programme-là, j'en ai malheureusement pas. Pas de problème. Le guide parle par contre qu'il y avait un arriéré assez important là, dans la catégorie des gens d'affaires. On parle d'une à peu près 15 000 dossiers en attente avec des projections pour 25, 26, 27 d'à peu près 450 dossiers annuellement. Bref, je veux dire, on peut faire la règle de trois. Là, ça va faire plusieurs années d'attente. J'imagine que pour vous, du reprenariat, ça doit se faire dans un délai raisonnable, pas dans un programme d'immigration qui va prendre 10 ans de traitement. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'outils dans le coffre d'outils lorsqu'il est temps du reprenariat. Souvent, on va avoir des regroupements, entre autres, qui facilitent ces échanges-là. Donc, il y a plusieurs gens dans notre écosystème qui sont capables également de fournir de l'accompagnement, du support, de l'information aux divers entrepreneurs qui décident là, de commencer la transition pour leur entreprise. Donc, c'est certain que où il y a des programmes gouvernementaux qui sont accessibles, on veut évidemment être capable de les offrir et les utiliser. Encore une fois, je n'ai pas de statistiques comme telles, mais je vous dirais par contre qu'on est un secteur économique qui a quand même accès lui-même à des ressources pour être capable d'offrir là, ce genre d'accompagnement, de support et de services à leurs membres. Parfait. Je me demandais, la réforme du programme de l'expérience québécoise travailleur, qui a eu les postes moins qualifiés, là, les jobs moins qualifiés du PEQ, est-ce que ça a eu un impact sur vos membres? Est-ce que vous avez eu de la misère à les qualifier pour la résidence permanente ou si finalement les travailleurs ont trouvé une autre porte de chemin ou un autre chemin pour se qualifier, pour rester avec vous? Le son de cloche qu'on entend souvent au niveau de la reconnaissance, qualification de la main-d'œuvre, c'est certain que ça reste quelque chose qui est toujours un petit peu ardu. Je n'ai pas de données spécifiques récentes, mais je vous dirais simplement que, de façon générale, on veut toujours faire reconnaître que notre secteur économique, que ce soit encore une fois des peintres, que ce soit des carrossiers, des mécaniciens, ce sont des secteurs économiques qui sont en grande demande. On veut évidemment des allégements au niveau de la reconnaissance des acquis pour ces gens-là le plus possible. Donc, où on est capable d'alléger le plus possible ces reconnaissances-là pour être plus capable d'intégrer rapidement et de reconnaître la qualification de ces travailleurs-là, c'est toujours évidemment le bienvenu. Et vous êtes capable de garder les travailleurs? Ils restent au Québec malgré, des fois, on parle des délais qui augmentent, des fois, on parle de la difficulté de rester, de la difficulté de faire venir les familles. Est-ce que vous le sentez, ça, ou vous sentez que ça va bien généralement? Et de façon générale, notre secteur économique continue, l'attraction et la rétention continuent d'être difficiles quand même. Il y a énormément de facteurs qui contribuent à ça. Je reviens encore une fois, nos besoins de formation, de mise à jour, les enjeux technologiques de notre secteur sont évidemment tous des éléments de pression, beaucoup de compétitivité dans le secteur également. Donc, c'est sûr qu'on doit continuer à travailler très fort, non seulement au niveau de l'attraction, mais aussi au niveau de la rétention, pour s'assurer que ces gens-là sont capables là, de bien s'intégrer et de rester dans notre secteur économique. Vous diriez que c'est quoi le principal défi de la rétention? Aujourd'hui, je pense qu'au niveau, particulièrement notre secteur économique, là, au niveau de la rétention, ça reste encore une fois la mise à jour des connaissances, la disponibilité des outils, donc toute la transition qui se fait dans le type de travail qu'on doit faire. On pense un technicien en atelier qui est un mécanicien, on tapait sur un pare-choc en métal et là, on est rendu avec des pare-chocs en plastique avec de la technologie derrière. Donc, merci. Ça a beaucoup changé. Merci beaucoup, M. Champagne. C'est ce qui met fin à cette audition. Merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. Mesdames, les messieurs, les élus, nous allons suspendre la commission quelques instants pour accueillir le prochain groupe.